Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, 20. Le Seigneur nous a donné le souffle de vie et notre péché l'attriste. Éphésiens 4, 30. N'attisez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi tolérerions-nous ce qui attriste celui que nous aimons? Une mère déteste la maladie qui rend son enfant incapable de vivre. Et si nous aimons vraiment le Seigneur, nous détesterons le péché qui l'attriste. Plus nous soucions de nos amis et de notre famille non sauvés, plus nous détesterons notre péché. Quand les autres voient nos bonnes œuvres, ils glorifient notre Père céleste. Matthieu 5, 16. De même que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cependant, si ce qu'ils voient est notre péché, les ennemis de Dieu blasphémeront. Néanmoins, parce que par cette action, tu as entièrement méprisé le Seigneur. L'enfant qui t'est né mourra, 2 Samuel 12, 14. Comme notre péché personnel nuit à notre témoignage, nous le haïssons d'autant plus.